Hey, j'espère que vous allez bien. Le hey est un petit peu mieux que la dernière fois quand même, hein. Même si je suis toujours confinée, je fais ce que je peux, j'essaie de garder la pêche et je me suis dit aujourd'hui, j'ai envie de tester avec vous pas mal de petites nouveautés. Vous savez, notamment des nouveautés que je vous ai présentées dans mon dernier haul. J'avais reçu pas mal de trucs du site Sephora, notamment des coffrets, etc. Donc je vais pas pouvoir tout utiliser bien sûr, mais j'ai envie d'en utiliser une bonne partie aujourd'hui. Donc je me suis déjà mis en condition. Là, je suis complètement nature de chez nature, hein, ça se voit. J'ai juste nettoyé, hydraté ma peau. Qu'est-ce que j'ai mis? D'abord, j'ai mis ma lotion tonique The Ordinary à l'acide glycolique 7%. J'adore ce produit, je le trouve super efficace. Si vous avez des soucis de, comment dire, d'excès de sébum, de points noirs, etc., vraiment, ça marche super bien. C'est pas mal dosé en acide glycolique. Et une crème de jour que j'avais achetée en grande surface. Étonnamment, j'avais pas trop d'espoir en achetant ça, mais finalement je la trouve vraiment pas mal pour le matin. C'est Nivea en fait, c'est la crème Q10 Energy, anti-ride, activateur d'éclat, et dedans il y a un SPF 15, donc bon, c'est déjà pas mal. Elle se présente comme ça, elle est pas très chère en grande surface, et je l'aime vraiment pas mal, je trouve qu'elle donne un coup de peps quoi. Même si là j'ai une tête de cul hein, à la caméra, en vrai c'est pas trop mal. Cheveux attachés, j'enlève mes petites boucles. Qui sont pas mal, hein. Je les ai trouvés, je sais plus où j'avais trouvé chez Adopt. J'aime bien Adopt, moi, pour les boucles d'oreilles. De toute façon, moi, je suis une boucle d'oreille addict. Ma vie, c'est les boucles d'oreilles. C'est le bijou que je préfère. Donc, on va commencer. Et justement, cette fois-ci, je n'ai rien mis sur mon teint pour pouvoir commencer enfin par la base Clarins qu'à chaque fois, je zappe d'utiliser dans mes vidéos. Petit préalable indispensable, notamment pour les tout petits créateurs de contenu comme moi. N'hésitez pas, bien sûr, à laisser un petit like à la vidéo. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner si c'est pas encore fait, ça fait encore plus plaisir et surtout ça motive. Franchement, ça encourage. Si vous aimez mes vidéos, voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires puisque le but c'est de partager, vous le savez. Et si vous ne me connaissez pas encore, c'est le but de cette chaîne. C'est vraiment de partager. Voilà, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Les petits préalables sont dits. Je vais juste essayer de régler les éclairages parce que en réalité, je suis pas blanche comme ça. Je sais pas ce qui se passe. Vous devez vous dire, la fille, elle vit pas à La Réunion, hein, elle nous mitonne. Hein. Mais si, je vis vraiment à La Réunion. Hein. Donc, la base dont je vous parlais, c'est cette fameuse base Clarins qui s'appelle Lisse Minute Base Comblante. Alors, le packaging se présente comme ça. Et cette base est extrêmement réputée. Elle a vraiment une très, très, très bonne réputation, notamment pour resserrer les pores, affiner le grain de peau, lisser le grain de peau. Et moi, c'est exactement ce que je recherche dans une base, c'est ce que je recherche le plus, vraiment, parce que j'ai des pores assez dilatés. Donc, cette base, j'avais vraiment envie de l'essayer, j'ai vu des vidéos dessus, et c'est vrai que l'effet est quand même assez instantané sur les pores, d'où le nom, hein, d'ailleurs, Lisse Minute, instantanément. Donc, on va enfin voir ce que ça donne ensemble. Le petit pot se présente comme ça, très très classe, en vert, comme ça, bouchon doré, très joli, je trouve. Et on a avec, ça c'est pas trop mal, une petite spatule blanche comme ça, pour éviter de devoir mettre ses doigts dedans à chaque fois. En termes d'hygiène, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Alors, comme on est sur le teint, je me rapproche un peu plus. Je vais essayer de vous montrer, ne prenez pas peur, mes pores dilatés, pour qu'on voit bien le avant-après. Donc, moi, c'est surtout sur le menton. Aussi sur les côtés du nez, mais sur le menton. Là. Et vous voyez, ici. Et ici même. Je suis belle de près, hein. Qu'est-ce que je suis belle. Je viens d'ouvrir le petit pot. C'est trop mignon. Regardez le petit tourbillon, là, quand c'est tout neuf comme ça. On n'a même pas envie d'y toucher. Bon, mais moi, je vais y aller à la spatule, plutôt qu'avec mes doigts. Et je vais surtout en mettre sur les endroits vraiment où j'ai les pores dilatés, pas sur tout le visage. Et je vous ai pas dit, mais si vous entendez des bruits derrière, on est confiné, donc mes filles sont à la maison, hein, donc si vous entendez des bruits d'enfants, je suis une maman, c'est normal. J'essaie quand même malgré tout de faire des vidéos. Je vais vous montrer cette texture déjà, qui quand même est assez épaisse, hein, regardez. C'est une petite crème qui est ouais, un petit peu rose comme ça. Alors, on va en mettre un petit peu ici même. Ici même. Ici même. Un peu sur le nez quand même aussi. Ah, j'aurais peut-être dû faire qu'un côté pour montrer la différence. Bon, c'est pas grave. Je vous ai montré mes pores avant quand même. Je pense que là, ça suffit. Je vais pas non plus en mettre trop parce que j'ai pas regardé la compo. Je pense qu'il doit y avoir quand même du silicone à l'intérieur. Bon, c'est pas marqué sur le pot, mais
Ça fait 15 millilitres, hein, je ne vous ai pas dit. J'essaierai de vous trouver le prix. De toute façon, généralement, maintenant, j'ai le réflexe de vous mettre les prix en barre d'infos avec les produits. Et je vais y aller au doigt, donc j'ai les mains propres. Je préfère parce que je trouve, notamment quand c'est ce genre de produit qui doit venir vraiment rentrer dans les pores pour les combler, au doigt, c'est bien. Ça permet de bien le faire rentrer. Donc ouais, c'est assez épais. Ouais, je pense qu'il y a du silicone. Ça me fait penser un peu aux Bass Benefit, vous savez, pour les pores. Voilà, je fais des mouvements circulaires comme ça en appuyant bien. J'ai vu ce produit en action, notamment, bon, sur plein d'autres chaînes, mais notamment sur la chaîne de la petite Gabi, puisque ce produit lui avait été conseillé par ses abonnés. Et bon, elle est quand même assez pro, elle, hein, elle a l'habitude de tester plein de produits, hein, elle, c'est, comme on dit, une serial testeuse. Et elle avait été bluffée par le résultat, parce qu'elle aussi, elle cherche ce genre de base qui va venir blurrer. J'avoue que là, alors, en fait, la base, elle est assez épaisse, mais une fois sur la peau, ça fait vraiment un effet velours, en fait. Elle rentre tout de suite dans les pores et ça fait la peau toute douce. Ça fait comme une peau de bébé. C'est super agréable. Oh ouais. L'excédent que j'ai sur mes doigts, là, je le mets sur mon front. Mais alors, qu'est-ce que c'est doux à appliquer? Je vous assure, on dirait du velours. Et alors, l'effet, ouais, effectivement, je vais vous montrer de près sur les pores. C'est assez impressionnant quand même. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est agréable à appliquer. Des fois, les produits comme ça, qui sont des produits blur, qui sont quand même à base de silicone ou de dérivés, ça fait des bouloches parfois, vous savez. Et là, pas du tout. Et regardez de près. Je ne sais pas si vous verrez comme les... Je ne sais pas si c'est visible à la caméra, c'est tellement petit. C'est assez imperceptible. Mais les pores sont vraiment remplis. On ne les voit vraiment plus du tout. Et le grain de peau est vraiment lissé. Ah ouais. Oh, l'effet blur, il est top. Bon, c'est un produit qui n'est pas donné, hein, ça reste Clarins. Mais alors là, pour le coup, ouais, je suis vraiment d'accord. Moi qui ai des pores bien dilatés quand même. Oh, c'est super, super. Oh, je suis contente. Je ne sais pas pourquoi j'avais laissé traîner ce produit aussi longtemps au fin fond de mes tiroirs. Il est ultra efficace, quoi. Bon, par contre, il faut bien démaquiller le soir, je pense, parce que ça bouche quand même les pores. Mais en tout cas, il vient vraiment lisser, blurrer. Ouais, super efficace. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme produit teint? Je vais mettre un truc assez light. Je vais mettre un peu de fond de teint stick. Je vais mettre mon fond de teint Fenty Beauty. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je l'avais mis dans ma vidéo favori du mois de juillet. Parce que, voilà, comme c'est un fond de teint stick, moi j'ai... Il s'appelle les Match Stick. Moi j'ai la teinte Maple avec quelques sous-tons olive, puisque ce sont mes sous-tons. On peut vraiment, voilà, comme tous les fonds de teint stick, doser la couvrance. Et moi, c'est ce qui me plaît. Perso, je fais une couvrance légère. Voilà, j'en applique quelques petites touches. Moi, je fais ça assez légèrement. Je vais l'étaler au pinceau avec un petit peu de brume hydratante et fixatrice de chez Glam Glow. Je trouve que ça permet de mieux estomper quand même la matière. Pour ça, je prends mon pinceau encore et toujours. Le 102 Silk Finish de chez Zoeva, qui est mon pinceau vraiment favori pour le teint. Que j'ai envie de vous remontrer l'application du Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury. Mais pas comme j'ai fait la dernière fois dans ma vidéo Charlotte Tilbury, où j'en avais mis 10 tonnes parce que je ne savais pas comment l'utiliser. Je me suis fait avoir. Je vais vous montrer comment je l'utilise maintenant et c'est beaucoup mieux. Vous voyez, ça donne une couvrance très légère quand on en met peu, comme moi. Mais ça vient quand même bien unifier le teint. De manière, voilà, invisible. Moi, c'est ce que j'adore. Et le combo de ces deux produits-là, là, avec le pinceau Zoeva, c'est vraiment super. Je vous assure, c'est vraiment top. J'en ai mis un petit peu dans le cou aussi. Et donc, je vais utiliser le Magic Vanish. La dernière fois, je m'étais trompée. Je ne savais pas comment l'utiliser. Je l'avais utilisé comme un correcteur classique. Donc, j'en avais mis beaucoup trop. J'en avais mis aux endroits où il ne fallait pas en mettre, etc. Maintenant, j'ai compris. J'ai apprivoisé le produit. Et en fait, ce que je fais, c'est que je le prélève au doigt. Et alors, je vous remonte comment il se présente. Le Magic Vanish, c'est un correcteur comme ça, anti-cerne et correcteur. Moi, je l'ai en teinte 2, médium, crème. Donc, c'est une crème. Hein. Moi, je le prélève au doigt et maintenant, je l'applique essentiellement sur le bleuté de la cerne parce que le orange en colorimétrie vient annuler le bleu. Voilà, je viens vraiment déposer, tac, sur le bleuté. Donc là, vraiment, entre le coin interne de l'œil et le nez, là où la cerne bleue est très très prononcée, et juste en dessous. En fait, moi je vous conseille d'utiliser ce produit plus comme un correcteur
quitte, si vous avez beaucoup de cernes, à rajouter un anti-cerne par-dessus. Ça, c'est vraiment un produit qui va venir, annuler la couleur de votre cerne, en fait. Ça ne va pas venir forcément éclaircir, etc. Mais on est surtout sur un camouflage de la cerne bleue. Donc, vous voyez, j'en ai mis beaucoup moins que lors de ma dernière vidéo. Donc, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus léger, beaucoup plus naturel. Ça vient quand même camoufler un petit peu la cerne. Mais comme j'ai beaucoup de cernes en ce moment, moi, je rajoute un poil d'anti-cerne par-dessus. Donc, un vrai anti-cerne, quoi, pas juste un correcteur. Je vais prendre mon anti-cerne Eraser, celui-ci, Instant Anti-Âge, de Maybelline. Celui-là, je l'ai en teinte nude, 02 nude. Et là, hop, je vais l'ajouter par-dessus. Je vais en mettre un peu aussi au coin externe de l'œil, là où j'ai des zones d'ombre. Un tout petit peu autour des ailes du nez et sur les commissures de la bouche qui chez moi tombent un peu vers le bas. Voilà, partout où j'ai un petit peu des zones d'ombre en fait. Depuis que j'ai ce produit Magic Vanish, en fait quand j'ai très très peu de cernes, je l'applique tout seul et je poudre. Et quand j'ai pas mal de cernes comme aujourd'hui, je rajoute un concealer par-dessus qui lui ne va pas forcément venir annuler le bleu de la cerne, mais qui lui va venir vraiment camoufler toute la cerne, uniformiser, éclairer un petit peu le dessous des yeux aussi. Comme moi j'en mets au-dessus de la paupière, il va uniformiser aussi le dessus de la paupière, parce que j'ai souvent des petits vaisseaux bleus, rouges, voilà. Ça c'est le pinceau Brushworks, le Multitasking Brush. Je vous le mets souvent en barre d'infos parce que je l'adore. Pour moi, pour l'anti-cerne, c'est un des pinceaux que j'utilise le plus avec le Zoeva 110. J'ai poudré tout mon teint sans distinguer les yeux et le reste du visage avec ma poudre By Terry, vous savez, à l'acide hyaluronique. Celle-ci, moi je l'ai en teinte 100, c'est-à-dire la teinte fer, la teinte claire. Une de mes poudres favorites qui est très très fine à base d'acide hyaluronique, donc qui en plus n'assèche pas du tout la peau et encore moins le contour des yeux. Elle est exceptionnelle, très très fine, enfin elle est en plus un peu lumineuse, je l'adore. J'ai mis un peu de bronzer, le Butter Bronzer de Physician Formula en teinte Sunkissed, qui est un de mes bronzers préférés aussi, vous le savez. Donc déjà là au niveau du teint, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est déjà quand même beaucoup mieux. Et ce que je tenais à vous dire, c'est que tout s'est très bien passé avec la base Clarins en dessous. Ce qui arrive parfois avec les bases comme ça, un petit peu épaisses, qui sont là pour blurrer, c'est qu'avec certains produits teints, ça ne matche pas du tout. Moi, ça m'est arrivé avec certaines bases Benefit. Selon les produits teints qu'on met ensuite, ça peut boulocher, ça se mélange pas bien. Et là, on est blasé, quoi, parce qu'il faut tout refaire. Là, en tout cas, tout s'est super bien superposé. Les matières se sont mélangées. Donc, je suis vraiment hyper contente de cette base. Je suis assez impressionnée. Et je le vois avec tous les produits que j'ai mis derrière, qui sont que des produits que j'adore en plus. Je suis super contente parce que ça veut dire que cette nouvelle base va pouvoir matcher avec les produits que j'utilise le plus. Donc franchement, elle est top, top, top. J'en suis au blush parce que je voulais tester avec vous mon nouveau blush de chez Tarte. Un blush qui est très connu, qui s'appelle le Captivating. Enfin, Captivating, je crois que c'est le nom de la teinte. Et vous savez, c'est la fameuse gamme amazonienne. Donc moi, je l'ai eu en format mini dans un coffret. C'est ce fameux blush, vous savez, un peu voilà, assez corail avec ce dessin qui est très reconnaissable. Donc j'ai envie de le tester, je vais prendre un petit pinceau de Sananas Blush comme ça, c'est le S3. Alors déjà, je viens de tremper le pinceau dedans, je tiens à vous dire que la pigmentation a l'air au rendez-vous, n'est-ce pas? Donc je vais tapoter un petit peu, ça c'est le genre de teinte pour l'été, super jolie je pense. Ah ouais, ah il est bien pigmenté, hein. Contrairement au blush, là, au dernier blush que j'ai testé de la palette Zoeva. J'avais été très 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 déçue, pas que du blush, hein, de toute la palette d'ailleurs. C'est pour ça que je l'avais mis dans ma vidéo flop d'ailleurs. Et là, rien à voir. Effectivement, vous passez un petit coup de pinceau. Vous allez voir, je vais vous montrer, le blush se voit très très bien. D'ailleurs là, à la caméra, ça se voit bien. Hein. Donc c'est tout à fait un corail, hein, avec quelques petits mini sous-tons roses, très légers. Pour l'été, ouais, ce genre de teinte, c'est vraiment sympa. Moi, je le dégrade toujours un peu sur la tempe, ici, pour que ça fasse vraiment fondu. Ah, oh, j'aime beaucoup. Ah, oh, j'aime beaucoup ce petit blush. Je le trouve très, très, très naturel. Ça fait un effet bonne mine,
un peu effet poupée, quoi. C'est vraiment mignon. Le mot, c'est mignon, je crois. C'est un vrai corail, mais un joli corail, ouais. Il s'estompe bien, donc très pigmenté, aucun souci. J'ai mis le pinceau une fois dedans pour mes deux joues. Ah, top! Vous voyez, je vous disais que parfois, acheter des formats mini comme ça, au travers de coffrets par exemple, ça permet de tester les produits. Et si on les adore, après de se les acheter en, voilà, en full size, ben là franchement, j'aime beaucoup, beaucoup le rendu sur le visage. Ensuite, ben écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai peut-être passé aux yeux, je voulais tester avec vous, puis j'ai oublié. De toute façon, je crois qu'à chaque vidéo, j'oublie un truc. Le nouveau pinceau que je m'étais acheté aussi en solde sur le site Sephora, un pinceau Kabuki Armani, comme ça. Je voulais appliquer ma poudre avec, mon bronzer, tout ça, j'ai zappé, il est tellement doux. Bon, je le garde pour une prochaine vidéo. Pour les yeux, j'ai plusieurs produits à tester, que je ne pourrais pas tous tester en même temps. J'ai envie de faire un truc assez simple, avec un crayon noir. Alors, j'hésite entre les deux que j'avais eu dans les coffrets, c'est-à-dire le Marc Jacobs et le Urban Decay. Le Urban Decay, il s'appelle 24/7 Glide Eye Pencil. Mais il y a toujours des noms. Il faudrait simplifier un peu les noms dans le make-up hein, maintenant, parce que c'est la teinte perversion. On est sur un gris extrêmement foncé, se rapprochant d'un noir. Mais je crois que quand je l'avais swatché, il était noir. Et le Marc Jacobs, qui est un noir pur. Les deux sont, je vous l'avais montré dans la vidéo haul, très 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 gras, crémeux, intense, ce sont des full size que j'ai eu dans les coffrets. Les deux, ils sont rétractables. Voilà, c'est tout à fait le même genre de produit. Mais comme je connais les crayons Marc Jacobs, je sais que je les adore. J'en ai déjà eu d'autres. Je connais la qualité. J'ai plutôt envie de tester le Urban Decay aujourd'hui. Regardez sur ma main cette pigmentation de malade. Tac, vous tracez un trait. Le truc, on dirait un liner, quoi. C'est un truc de malade. Je pense que je vais partir sur un make-up un peu style liner fumé avec un crayon et rouge à lèvres assez intense. Donc, d'abord, je vais tracer tout mon ratil supérieur. Comme je vous l'avais dit, hein, que ce soit avec un crayon ou avec un liner, surtout ne laissez aucun espace entre le trait de crayon et votre ratil. On ne voit pas de peau, sinon c'est vraiment pas joli du tout. Ben franchement, j'ai envie de vous dire, il marque tout de suite, quoi. Il est tellement crémeux. C'est un truc de fou. Il marque tout de suite, tout de suite. Il est gras, il est... Je sais pas combien il coûte ce crayon à l'unité, je sais pas s'il est très cher ou pas. Alors, pour le moment, je l'ai mis sur tout le ratil supérieur. Pour l'estomper, je vais prendre un petit pinceau comme ça, plat. Ça, c'est un pinceau Morphe. Parce que moi, j'aime bien que ce soit un peu fumé sur les yeux. Ouais, il s'estompe bien. Ce qui est bien, c'est que... Mais il sèche pas trop, trop vite non plus. Du coup, on a quand même le temps de l'estomper un peu. On n'est pas obligé de faire un œil, estomper vite, 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 parce que ça sèche. Non, ça va. J'ai le temps de faire les deux yeux et d'estomper après. Ouais, franchement, c'est nickel. Je sais pas si vous voyez là sur mes yeux, regardez. Du coup, on n'a pas le trait de crayon brut. Moi, j'aime bien quand, voilà, c'est un petit peu fumé comme ça, un peu plus estompé. Je trouve que ça fait plus naturel et plus joli, quoi. Et puis, ce que je vais faire sur le coin externe, c'est que je vais pas mettre directement le crayon. Je vais mettre un peu de crayon sur le pinceau plat. Et là, je vais juste dessiner un tout petit peu mon coin externe vers la queue de mon sourcil. Là, je ne le fais pas directement avec le crayon parce que je n'ai pas envie que ce soit aussi intense que sur le ratil. J'ai envie que ce soit un petit peu plus fumé. Et comme le crayon est très très gras, il marque très très bien sur le pinceau. Et je pense que ça va donner l'effet que je veux, quoi. Vous voyez ? Regardez, là, je viens de tracer un petit peu. C'est moins pigmenté, mais c'est ce que je veux faire. Et après, je relie un petit peu la queue au ratil. Quand on a des crayons qui sont crémeux, gras comme ça, qui se déplacent très facilement avec un pinceau, on peut se faire une sorte de liner, en tout cas un esprit liner, mais au crayon. Ce qui donne un rendu beaucoup moins net que le liner. Je vais en tracer un tout petit trait en ratil inférieur, mais ici, là, coin externe, un demi centimètre, on va dire. Et en passant le crayon une fois sur le pinceau, j'ai réussi à faire tout ça déjà. Hein. Il est vraiment très intense en pigmentation. Enfin, il y a de la matière, je veux dire. Hein. Mais en tout cas, ouais, on en a pour son argent, hein, je peux vous le dire. Enfin, c'est vraiment un crayon de qualité. Voilà, c'est un petit peu ça que j'avais envie de faire sur les yeux. Un peu de crayon pour fumer un peu mes yeux. Je fais souvent ça le matin quand je suis pressée avec un bon mascara. Ça donne un effet un peu yeux intenses, surtout quand on a les yeux bien noirs, quoi, comme moi, enfin, marron foncé ou noir. Et donc, comme mascara, j'ai envie de tester celui que j'avais dans le coffret,
qui est un mascara Tarte. Tarte Cosmetics, c'est le My Nature. Alors, je ne connais pas du tout. Je l'ai eu en format mini. C'est le mascara comme ça, un peu léopard. Alors bon, on va tester ça aujourd'hui. La brosse a l'air d'être, regardez, une brosse vraiment qui apporte de la longueur. Bon, ce n'est pas forcément moi ce que je recherche avec un mascara. Je recherche plus le volume. Ouais, bon, je ne suis pas... En tout cas, là, comme ça, je ne suis pas emballée. Je ne trouve pas qu'il apporte de longueur particulière. Bah, déjà, il apporte pas de volume, ni de densité. Mais alors, au niveau de la longueur, je ne trouve pas non plus, en fait. Donc, je ne sais pas, je vais passer une deuxième couche. Bon, en passant une deuxième couche, déjà, c'est mieux. Bon, je ne m'attendais pas à grand-chose avec ce mascara, puisque de toute façon, je l'ai reçu, je ne le connaissais pas. J'en avais même jamais entendu parler. Mais là, ouais... J'ai passé 2-3 couches, donc voilà ce qu'on a. Et bien vous savez ce que je vais faire sur l'autre œil. Je vais tester le deuxième mascara que j'ai eu dans le coffret Marc Jacobs pour voir la différence. Un mascara que je connais, puisque je l'ai déjà eu et je me rappelle l'avoir adoré, c'est le Velvet Noir Majeur Volume. Donc il se présente comme ça, et pour le coup, celui-ci, de mémoire, il apporte vraiment du volume. D'ailleurs, vous allez voir, la brosse est complètement différente. Les brosses volume sont plutôt de ce type-là. Alors que les brosses longueur, comme celui du Tarte que je viens d'appliquer, sont plutôt, voilà, beaucoup plus longues, avec des picots très fins. Donc je vais mettre celui-ci sur l'autre œil. Ah bah déjà, ça n'a rien à voir. Rien qu'une couche, ça n'a rien à voir. Ah oui, non mais là, ça, là vraiment, voilà, c'est exactement comme dans mes souvenirs. Déjà une seule couche, on a de la densité, on a du volume, et même de la longueur. Bon, ben, j'avais bonne mémoire, hein. Je me rappelais bien de ce mascara. Regardez, je vous montre de près. Là, j'ai passé à peine une, voire deux couches. Regardez-moi ce volume qu'il apporte, cette densité aux cils, et même de la longueur. Je trouve que là, ça n'a rien à voir. Donc, je vais rajouter le Marc Jacobs sur l'œil droit. Je vais le rajouter sur le Tarte, c'est pas grave. Après, les mascaras, c'est très personnel. Moi, je recherche du volume et de la densité parce que j'ai déjà les cils longs. Tout dépend de ce qu'on recherche avec un mascara. Peut-être que le Tarte vous plaira énormément si vous recherchez de la courbure et de la longueur. Donc, je pense, moi, l'utiliser en second parfois. Après, un mascara qui m'apportera du volume et de la densité. Mais là, voilà, ça n'a rien à voir. Pour moi, là, le Marc Jacobs, c'est un level bien au-dessus. Là, le Tarte, pour moi, il ne lui arrive pas à la cheville. Surtout que quand je fais ce type de maquillage avec juste du noir sur les yeux, j'ai besoin d'un mascara qui envoie. Alors, comme j'ai la paupière tombante, là, vous voyez, j'ai un peu de transfert du crayon sur ma paupière. C'est pas grave, je vais l'enlever après. Regardez la beauté de ce mascara. C'est quand même... C'est un magnifique mascara. Il fait vraiment, vraiment le job. Je suis pas sûre qu'il coûte si cher que ça. Ça reste Marc Jacobs, mais je crois que c'est raisonnable quand même. Et ouais, il est aussi exceptionnel que dans mes souvenirs. Bon, je pense que sur les yeux, je vais m'arrêter là. Et je vais plutôt passer aux lèvres, parce que j'ai aussi une brume à tester. Donc, j'ai envie de tester l'huile crème légère de chez Clarins. Lip Comfort Oil Intense. Vous savez, ce sont ces huiles-là comme ça. Et moi, j'adore les huiles confort lèvres, pardon, mais les classiques, qui nourrissent, hydratent, et qui en plus, je trouve, ont cet effet gloss, repulpant, j'adore. Je les rachète systématiquement, notamment la Red Berry, la numéro 3, et la Honey, la numéro 1. Elles font partie, voilà, de mon make-up. Pour moi, c'est entre le soin et le make-up. C'est un produit 2 en 1. Et donc, j'avais envie de tester cette version que je n'ai jamais testée, qui en fait est beaucoup moins huileuse, donc beaucoup moins effet gloss, mais beaucoup plus effet rouge à lèvres. Regardez, d'ailleurs, l'embout n'est pas le même. On est sur un embout avec un petit réservoir au bout. Moi, je ne vous ai pas dit, j'ai pris la teinte numéro 2, Intense Plum. Et donc là, on n'est pas vraiment sur une huile. Enfin si, ils appellent ça huile, c'est une huile, mais qui va être plus intense en pigmentation que la première version et qui va donc avoir un effet un peu plus rouge à lèvres. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, on est sur un... sur un violet un petit peu rose fuchsia assez intense, mais c'est quand même un peu huileux, hein. Bon, je vais d'abord me faire un contour de lèvres. Je prends mon crayon Yves Rocher, stylo lèvres Yves Rocher 51 beige. Vous savez, c'est un de mes chouchous, une de mes valeurs sûres. C'est un nude en fait, parfait, qui est pas cher en plus.
Moi, en termes de crayons à lèvres, de toute façon, mes favoris, ce sont soit les Yves Rocher, soit les MAC. Notamment le MAC Fresh Clay et le Yves Rocher 51 Beige. C'est les deux que j'utilise le plus et que je, voilà, qui sont pour moi vraiment des must-have, quoi. Voilà, petit contour et on va y aller. On va tester ce produit. Il coûte à peu près le même prix, hein, je crois, que la première version. Donc, si on aime plutôt ce qui est gloss, on va préférer la première version. Et si on aime plutôt la pigmentation sur les lèvres, je pense qu'on va plutôt préférer celle-là. Moi, j'aime les deux, mais je vais découvrir celle-ci. Alors, c'est très foncé. Oh là 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 là. Est-ce que j'ai pas pris une teinte trop foncée? Alors, par contre, ça sent super bon. L'odeur, elle est divine. Ça sent la myrtille, en fait. Là, on dirait que j'ai les lèvres noires, mais je vais modifier la lumière après. L'embout, il est très, très, très précis. Franchement, l'applicateur, il est vraiment bien. Donc, nous sommes sur une huile. Je vous confirme que c'est quand même une huile. Hein. Une huile, mais beaucoup moins huileuse, on va dire. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais que la première version. Alors, je me suis mis là pour le moment pour que vous voyez mieux la teinte. Cette teinte numéro 2. Parce que de là où je suis, on dirait que j'ai du noir sur les lèvres. Parce qu'aujourd'hui, il ne fait pas beau. En plus, il y a plein de nuages, c'est tout sombre. En fait, vous voyez, c'est un rose. Un rose violet fuchsia. Assez intense, donc c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de porter le plus, mais je vais faire la technique du mouchoir pour adoucir un peu la teinte et on va voir ce que ça donne. Donc technique du mouchoir pour adoucir un peu une teinte, ouais, je préfère comme ça. Alors le truc c'est que ça rend le rouge à lèvres un peu plus mat, forcément, parce qu'à la base c'est une huile. Si vous aimez vraiment cet effet huile, shiny, et cette teinte qui est quand même assez foncée, ben, vous laissez comme ça. Moi, je préfère, j'avoue, après la technique du mouchoir, là, je trouve que déjà, c'est un petit peu moins intense en pigmentation, parce que j'ai pas l'habitude de porter des teintes voilà, si foncées quand même au quotidien. Ça devient mat, moi, ça me dérange pas, quitte à rajouter un petit gloss transparent par-dessus. Donc, comme ça, là, personnellement, ça me plaît beaucoup plus. Mais je vous conseille quand même, avec ce produit-là, de faire un contour de lèvres parce que il est très liquide, c'est une huile très pigmentée en plus, donc ça peut vite filer dans les petits plis ou les petites ridules, les commissures, etc. Je vous conseille quand même un tout petit contour de lèvres. Mais alors, je me suis un peu... J'ai eu un petit coup de flip là, quand je l'ai appliqué au tout début, j'ai eu l'impression d'avoir les lèvres presque violettes noires. Et je suis pas très fan, d'autant que j'ai des yeux assez dark. Mais là, franchement, là, je suis contente. La teinte, certes, elle est foncée, mais je la trouve belle. Franchement, je la trouve très, très belle. Très élégante, ouais. Un peu femme fatale. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je suis assez contente, ouais. En fait, c'est complètement différent de l'huile Comfort Lèvres classique. Ça n'a rien à voir. La texture est différente. La pigmentation est différente. Le rendu est différent. Mais, ouais, j'aime bien. Je vais peut-être m'en racheter une avec une teinte un peu plus claire. Mais là, comme ça, j'aime vraiment bien. J'ai eu le coup de flip, hein, je pense que vous l'avez vu, mais bon. Bon, dernier produit que je vais tester, c'est cette fameuse brume fixatrice de chez Urban Decay, la All Nighter, qui est un voilà, fixateur de maquillage dont j'entends parler énormément, ainsi que la brume de Morphe. J'avais envie de tester une des deux, ça tombait bien, elle était dans le coffret. Donc, c'est parti. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis une double protection comme ça dessus. Je pense que c'est le format mini, ça, hein. Vaporiser la brume 2 à 4 fois en décrivant un X et un T. Très précis comme instruction. Alors, un X et un T, oula, ça en fait beaucoup quand même. Ça n'a pas trop d'odeur, je trouve. Non. Par contre, les gouttelettes, elles sont pas très très fines. Hein. Là, j'ai un peu l'impression d'être arrosée. Contrairement là, à ma brume que j'adore, Glam Glow, où vraiment les gouttelettes, elles sont d'une finesse incroyable. Là, ça ressemble aux brumes de chez MAC. Vous savez, les Fix Plus, où les gouttelettes, elles sont quand même assez épaisses. Mais j'ai l'impression là qu'au fur et à mesure des secondes, ça se fond bien dans la peau. On verra si ça fait bien tenir le maquillage toute la journée. Bah écoutez, verdict. Voilà pour le rendu final. Nous avons des yeux donc uniquement maquillés avec le crayon Urban Decay et le mascara. Enfin les deux mascaras, Tarte et Marc Jacobs. On est sur... Franchement ça, c'est le truc que je fais hyper souvent. Juste un petit peu de noir fumé comme ça, un peu de mascara. Et voilà, ça met en valeur les yeux, ça intensifie le regard. Moi j'adore. Le teint, je le trouve très 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 joli. Et je pense que la base, vraiment, ça a permis de...
ouais, de lisser la peau, de la bleurer vraiment. Regardez le teint là de près, comme il est joli. Elle est assez stupéfiante quand même. Hein. Et finalement, j'adore les lèvres. Les mascaras, vous l'aurez compris, le Velvet Noir Major Volume de chez Marc Jacobs, gros coup de cœur. Je l'avais déjà adoré la première fois et je surkiffe ce mascara. Le Tarte, bon, c'est pas ce que je recherche moi, voilà. Et vous l'avez vu quand je l'ai appliqué tout seul, c'est pas dingo hein, quand même le rendu. Le petit Magic Vanish de Charlotte Tilbury, maintenant que je sais comment l'appliquer, je l'aime beaucoup. Effectivement, le orangé vient vraiment neutraliser le bleu. Et c'est un produit très léger, dans l'esprit de la marque Charlotte Tilbury. Le crayon noir Urban Decay, franchement j'ai envie de vous dire, parfait, 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 parfait. Le petit blush, le petit blush Tarte, j'adore ce petit corail. Regardez ce petit corail tout léger là sur le teint. Ça fait, je trouve que ça adoucit par rapport aux yeux et aux lèvres, ça adoucit. J'adore ce petit blush. La base, coup de cœur. Coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Si vous recherchez comme moi vraiment à bleurer vos pores et à lisser votre peau, foncez là immédiatement. Ça, le job est immédiat. Et ce petit truc, j'en suis super contente finalement. Comme quoi, en une seule vidéo, je peux avoir un énorme moment de flip et en fait, finir par adorer le truc. Là, j'ai l'impression que je vais pouvoir regarder mes lèvres toute la journée tellement j'adore. J'adore. Et surtout que je le sens pas en fait. Parce que comme c'est une huile à la base, c'est censé venir nourrir. Et donc, on a l'impression d'avoir des lèvres hydratées. On ne sent pas le produit. C'est hyper agréable. J'adore. Mais écoutez, crash test plutôt pas mal du tout. Hein, contrairement au dernier où j'ai eu quelques surprises. Je vous disais, les crash tests ne se passent pas toujours comme prévu. Mais là, du coup, j'avais rien prévu, dans le doute. Et je suis super contente. Super contente de tout ça. En plus, je vous avais montré dans le haul, j'ai eu ça à des prix super intéressants. Des moins 50, des moins 70%. Donc franchement, foncez, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. J'essaie de vous trouver des liens assez intéressants à chaque fois avec des réducs. Si vous passez par mes liens, vous, ça vous coûte vraiment rien de plus. Moi, je passe pas mal de temps à les chercher pour vous. Donc bon, si vous passez par eux, bah, c'est cool, je vous remercie, ça m'encourage un peu. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos retours dans les commentaires. Avant même de monter ma vidéo, j'ai trop hâte d'avoir vos retours. Voilà, bon, je vous fais d'énormes bisous. Moi, j'ai passé un bon moment avec vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser un petit like si vous avez passé un bon petit moment avec moi. Et nous, on se retrouve très bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, surtout en ce moment. Prenez bien, bien, bien soin de vous. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye bye !